Hey, bonsoir et bienvenue pour ce stream. Alors, je ne sais pas encore à quoi on va jouer, mais on va jouer. Je bois un petit peu le temps de mettre tout ça à jour. Voilà, alors, et je vais recadrer mon jeu, puisque visiblement ça n'est plus cadré, je sais pas pourquoi. Wow, on va mettre ça comme ça. Ah, je sais pas, il n'est pas très bien cadré. Ça m'embête. Voilà. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que l'on va faire? C'est une excellente question. Je ne sais pas. Un truc qui détend le dimanche soir. Tranquille, demain la reprise, lundi. Pour ceux qui reprennent, évidemment. Du coup. Est-ce que je continue un des projets qui est déjà à branle, c'est-à-dire GoldenEye, le Nuzlocke Challenge ou alors une rétrospective World Cup avec tout ce que ça comprend. Ou alors est-ce qu'on lance un truc tout à fait différent et des choses supplémentaires. Bon, en attendant qu'il y ait un peu de gens sur le stream, qu'est-ce que je vais faire? Bah ça je non. Bah, je vais lancer ça. Voilà, en attendant, un truc qui détend un peu. Bubble. Sur Game Boy. Lancer. Hurry up! Toujours stressé, les gens. Ah, ce jeu. Merveilleux, ce jeu. Salut, Tandars! Ah merde, pardon. Je lisais le chat. Ça va, toi? J'ai passé une journée un peu fatigante, mais à part ça, ça va. Et du coup, j'étais en train de me demander à quoi est-ce que nous allions jouer ce soir. Est-ce qu'on continue une de nos aventures épiques? Ou alors est-ce qu'on passe sur quelque chose de nouveau? Le son ça va parce que j'ai l'impression que c'est très fort, mais c'est peut-être moi. Ok, merci. Oh, ils sont beaucoup là. Oh, arrêtez. Ah, mais il y a des gens là. Cette musique est quand même un petit peu dégueulasse. Ah. Forcément, si je me fais avoir comme ça. Oh! Sérieux, ok. C'est pas glorieux. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, bon, il y a rétro, il y a fun, mais tout ce qui est rétro n'est pas forcément fun. Puis la musique est pas complètement dégueulasse pour une Game Boy, hein. S'entend bien, mais voilà quoi, c'est un peu oppressant comme son. Salut méchant, merde de tomber dessus. Oula, monsieur, arrêtez. Oula, merde. Non, 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 non. Ah oui, le petit fantôme, viens là, toi. Ben on va aller là parce qu'il y a machin là. Voilà. Ah merde. Il faut que je change le titre en fait. Du coup, si on fait pas de, si on fait pas Pokémon. Bah je serais presque tenté en fait pour faire Pokémon. Dans le doute, avance un petit peu. Ou alors un truc funky qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Ah mince, j'ai pas mis le titre. Je ne suis pas très bon. Alors, Tandar, dis-moi qu'est-ce que tu veux voir ce soir. Comme tu me suis fidèlement, tu as la possibilité de dire ce que tu veux voir. D'accord. Est-ce que je commence un petit truc? On est dimanche soir, on peut commencer un truc un peu. Bien. Non, je veux pas trop de trucs en liste, sinon j'ai jamais arrivé à les finir. Bah du coup, on va faire du Pokémon. On va faire du Pokémon et si jamais. D'accord. Yeah. Et si jamais. Ben on changera peut-être. Alors, nous étions arrivés à je sais plus comment ville. Nous n'avions pas encore perdu de Pokémon. Ok, un mec fabrique des Pokéballs. Très bien. Et Corsia, voilà. Ah oui, c'est juste, il y a une histoire de Ramolos. Par contre, je me souviens plus du tout si j'ai pris des Pokémon ici. Hey, c'est une belle antilote. Ah oui, comme on a changé de jour en plus, j'ai avoir accès à plein de choses. Est-ce que j'ai eu le Pokémon qui était là? Je me souviens plus. Bon, on va aller là. De toute façon, c'est un ratata, on s'en fout. Croque-mou, à l'attaque. Allez, hop. Ouais, de mémoire aussi, mais je voulais être sûr. Donc bon, du coup, je peux espérer avoir un machin. Youpi. Un Maserati, j'ai déjà. Je crois qu'il faut que je note en fait les. Je vais noter les zones que j'ai déjà. Hop. Je vais noter parce que je vais rien. Alors, oublie le Pokémon. La carte. Donc, nous avions les caves jumelles, ça c'est fait. Ensuite, nous avions les ruines d'Alpha. Ensuite, la route 32.
La tour Chétifleur, j'ai pris. Monville. Est-ce que j'ai pris le Pokémon à Monville? J'ai pas pêché, donc non, j'ai pas pris le Pokémon à Monville. Route 30. Ville Griotte. Est-ce que j'ai pris un Pokémon à Ville Griotte? Non. Route 29. Bourgeon, j'ai pas pris. Bah voilà, je crois que j'ai tout là. Ouais, je crois que c'est tout bon. Bon, bah du coup, je vais chercher mon Pokémon dans la route 33. Ah, je pourrais essayer de choper un Magikarp pour le faire évoluer. Le problème d'Aliviator, c'est qu'il a une quadruple faiblesse. Enfin, une double faiblesse avec ses coups. Du coup, c'est pas terrible. Et puis, en fait, j'aimerais changer de Pokémon. Qu'est-ce que je vais voir évoluer? Ouais, Casper. Ah oui, non, mais je suis bête. Bon, tirons. Ça me sert à rien d'avoir Casper. C'est un Pokémon Spectre. Qui n'a malheureusement pas encore d'attaque. Très bien. Bah du coup on va faire monter Derby. En espérant trouver un Pokémon que je n'ai toujours pas. Ratata, je m'en fous. Je m'en fous. Ouais, bon, on va changer de point pour faire charge, je pense. Heureusement qu'on n'est pas trop au niveau. Oula, c'est mal le Ratata. Monsieur Ratata, arrêtez. Ouais. Je peux avoir un Pokémon que je connais pas. Puis évidemment, comme je suis le soir, je vais avoir que de la merde. Il faut absolument que je trouve un moyen pour augmenter le. Pour changer l'heure. Ça va être chaud ballon. Bam. Tiens. Salaud. Ouais, 24 points d'expérience. Ah oui, mais Rocky fait nain parce que j'ai pas le badge. Ah. Bon, on va aller à Ecorcia et on va faire des prochaines. Il me faut une équipe. J'ai assez de Pokémon pour faire une équipe fou à charbon. Il faut une équipe cool. Fou à charbon. Bonjour. Monsieur Canard Tichou. Oh, Canard Tichou. Et tu veux. Non, mais je m'en fous. Je vous ai déjà parlé, madame, mais c'est pas. Je m'en fous. Alors, l'arène est. Bon, bref. Expert de Pokémon Insectes. Bien. Maison de Fargas. Passe par Ecorcia et tout le au bois des chiens. Ah, donc du coup, il y en a un qui a aussi les coups. Très bien. Ok. Bah écoute, oui, tu peux me donner le. Tu peux me donner l'astuce quand on y est. Ça, je veux bien, par contre.
Cure un monstre de rang. Ok, on va faire gaffe, merci. J'ai fait la filée. Je suis si seul. Il vient de filer il y a 3 minutes, madame. Je pense qu'on va pouvoir se calmer. Bon, il y a une baie. C'est un arbre à fruits. Hé, une baie. Un noix grume blanc. Bon, ok. Madame, 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 mon Pokémon oiseau, il est tout cané. Madame, madame. Que la suite de Pokéball. Il n'y a pas de Super Bowl. Ah. Ouais. On remercie la sonnette. Charbon. Ah, mais charbon, ça c'est bien. Ok, j'ai pas de. J'ai combien de Pokéball? J'ai acheté 5. Les popos, je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai acheté 5 aussi. Voilà, et puis le reste. Là, ça va gérer. Bon, c'est reparti, on va essayer de. Ah, machin est parti. Donc j'imagine que là, c'est où je dois aller. Salut mec! Ah, c'est bête! Hein. Ah bah oui, tiens! Attention! Oui, quoi? Grrr. Ah, ça sent les gentils, ça! Je vais me calmer tes nerfs sur. Mes nerfs sur ta face! Et... Qu'est-ce qu'il m'envoie? Oh, ratata. On va changer parce que 9.9, je vais me prendre une pétée. Casper ne sert toujours pas. Il faudrait qu'il apprenne un truc bien, Casper, un petit peu. Ah, j'avais dit que je changerais d'équipe. Ah, je suis une embrouille. Hop, une petite charge. Ah, c'est pas terrible. Je sais pas pourquoi. Que se passe-t-il? Non, je crois pas. Enfin, j'ai pas d'information comme quoi il bug. J'ai réussi l'étreinte ou pas? Je regardais pas. Ah oui, non, oui. Forcément, si. Il veut pas obéir, machin. Allez, Pokémon, à l'attaque! Toi, tu obéis. Est-ce que c'est un lien? Ah bien la coupe de griffe. Oui. Birdie apprend un truc. Ouais. Ratata. Oui, j'ai pas changé. Birdie. Parce que si c'est un lien, tu peux pas buster. Ok. Est-ce que ton message était par hasard trop long? Que je sais. J'ai rien, hein. Le chat me dit rien du tout. Oh, madame la Team Rocket. Hé, hey, toi, mon chalot, viens.
Arrêtez de voler des... Non, je suis trop fatigué, j'ai l'esprit mal tourné. Seg, Beba, gros son relation, ok. Inspire de la raquette, on va se faire petit. Merde, il va me jeter des confus à la tronche. Mistrice, le pseudo du personnage en jeu, ok. L'idée du dresseur, ok. Et si on est sur l'animation, il conseille de copier la sauvegarde. Ah. D'accord, je vois. Eh, hey, il y a 19. T'as perdu. File-moi ta thune. Une super potion. Bonjour les Ramolos. Ah merde. Vous avez pas de réputation. Ok, bah écoute, ça me paraît pas. Ce que ça me paraît compliqué pour juste changer le. Surtout si ça fout en l'air la sauvegarde, ça va m'énerver. Donc merci pour l'astuce. Je vais peut-être la tester, mais pas maintenant. Je vais peut-être la tester entre guillemets dans mon coin. Comme ça, au pire. Si jamais je peux faire des sauvegardes, etc., j'ai pas besoin de boutiquer 3000 heures au cas où. Oui, je voulais changer déjà avant, mais je me suis enturlupé les mains. J'ai miscliqué. Bouh! J'aimerais bien que cet œuf il est close parce qu'il me fait vraiment. Non, les énergies de croque-mou est aspirée. Non. Eh ouais, mec. Moi, je suis un vrai, moi. Ouais, lisons une lettre. Sois sage et occupe-toi bien de la maison avec Pépé et Ramolos. Bisous, papa. Ils ont foiré. Vraiment le sac coupé. Ah, fumier, je vais péter votre gueule. Qu'est-ce que tu veux? Oh là là. Je vais te briser les rotules à coups de batte. Ah, c'est peut-être un peu violent. Je vais te maraver la tronche à coups de Pokémon. Ah. Ça rigole play du tout. J'espère qu'il a pas de destruction. Ouais, Casper. Purée de poids. Ah ah, t'as raté ton attaque. Les choux. Ça va être long. Ouah, purée de poids. Bah, écoute, on vous écoute. Fais dodo, Smogo, mon petit frère.
Ça va être très très long. Je vais attendre que Smongo se réveille pour le rendormir. Pour après changer pour un Pokémon plus qui tape plus fort. Ah mais il dure 5 tours en plus. Encore ? C'est pas limité à 5 tours ? Bon, on continue. Ah ! Purée des pois ! Il rate son attaque. Allez, hypnose ! Ouais, je peux pas tout réussir tout le temps, très bien. Purée des pois, ça va être bien. Dors, Smogo, dors. Mais non, il fallait pas te réveiller, mec. Oh là là, il dort 6 tours et après il se réveille direct. Parce qu'il a bien dormi, c'est pour ça. Griff. Peut-être du faire pistolet, tu vois. Ah merde. On se reverra, enfoiré. Tout fait à sauter. Voilà la téléportation. Salut. Oui gros, j'accepte tes boules. Merci. Ah, pas beau. Très bien. Un jeune prochain. Bah du coup, on va aller soigner tout ce beau monde. Là, c'est exactement ça. Mais il existe des règles dans le monde, des règles qu'on ne peut pas transgresser. Si t'as plus de Pokémon, tu peux pas maraver quelqu'un. Ça, c'est la loi. Des Ramoleuses partout. Oula, ça va être long. Salut, Ramoleuses. Oui, d'accord, j'aurais pas dû. Bah du coup j'ai toujours pas récupéré mon Pokémon de cette zone là. Un Ramoleus ? Ah tata. Oh, coup critique ? Ah non, même pas. Non mais Birdie apprend une attaque, prends n'importe quoi mais... Ah, vive attaque, bon. Oh putain. Donc ça se joue devant moi. Allez Birdie, apprends une attaque. Monte de niveau et apprends une attaque. Choc psy, n'importe ce que tu veux. Pic pic, voilà, voilà, ça c'est très bien. C'est parfait pour aller maraver du... de l'insecte. Non, c'est pas là. Ah, enfin. Enfin, pour me débarrasser de ce machin. Bon, peut-être un reflex. Togepi, oh là là. Toki, 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 toki. Oui, on va donner un surnom à Togepi.
Je voulais l'appeler Féchier, mais. Mais non. Ça semble un peu éthiquement correct. On va l'appeler Tête d'œuf. On va l'appeler Mimosa. Parce que j'ai de la place. Comme les œufs Mimosa. Mimo, mais en stylé. Mimosa. Bon, je parie qu'il est niveau 2. Les œufs Mimosa, exactement. Qu'est-ce qu'il y a comme capacité? Rugissement, charme. Et tu sais quoi? Un Magikarp aurait sans doute été plus utile. Oui, je veux que tu les soignes. Bon, alors on va virer Mimosa, on va virer Rocky. Et on va retirer voilà. Alors on va retirer Tête de l'art parce qu'il encaisse bien. Non, bah en fait on va quand même garder Rocky. Et en fait j'ai vraiment de la merde. On va retirer Rocky. Et puis on va prier pour avoir un autre tour. Monsieur le charbonnier, vous pouvez me donner votre CS s'il vous plaît. Ah vas-y. Allez, le rival. Dis-moi quelque chose, mec. Je viens de mettre la misère, mec. Fantominus. Fantominus niveau 12. Ah ouais, je connais pas le gars. Bah oui, pas le choix. Si je veux le battre, il faut que je tape fort. Ça ne m'affecte pas, nanana. Tiens, un pistolet haut dans ta tronche, en grand. Fais-moi le malin. Bon, comment je gère le Germignon? Il me faut absolument un Pokémon. Ça va être compliqué. Macronium. Ah merde, en plus c'est un Macronium. Non, mais je vais serrer les fesses. Clairement. C'est tendu. Oh là là. Ça a piqué. Oh putain. J'ai rien pour gérer un macronium, moi. C'est chaud là. Ah, ça va être chaud. Ah, puis surtout, il y a... Au revoir, Birdie. Ah non, ça va. Bon, 10 points de dégâts. Un tour sur deux, je dois faire une potion. Ça va être trop bien. Ah, ça va être... Coup critique. Oh, mon dieu, j'ai généré. Oui, mais... je te rappelle que... Oot n'est pas un combattant. Du moins, pas un très bon.
va continuer, hein. Ouais. J'hésite. Attends. Popo. Hop. Ça va être long, bon voilà, on va continuer comme ça quoi. J'ai pas vraiment le choix. C'est peut-être pas très efficace, mais ah, rugissement, c'est bien, change. Non mais même, il aurait pas 5 levels de plus, Birdie... Oh putain... Birdie, coup critique, merci. Bien. Parfait. Et tu vois, attaque 13, attaque spéciale 14, c'est un peu meilleur. Nosferapti, oui, je vais changer de Pokémon. Merci. 14. Ok, j'ai compris, il faut que je booste un peu mes... griffes ou pistolet à eau? Pistolet. Ah, c'est ça. Ouh. Je suis ravi d'apprendre que tes Pokémon font la noce, mec. Mais oui, déteste-les, vas-y. Vas-y, tu m'as battu, casse-toi. Mais monsieur, c'est vous qui avez perdu, tirez-vous. Ils changent pas de discours. Merci. Les bois au chêne, dimanche, attention. Les bois est protégé par son gardien. Alors ne fais rien de mal. Ah, ça sent le Kelebi dans l'histoire, mais tant pis. Tout, tout. T'es sûr que tu veux te battre, mec? J'ai pas envie. Voilà. Ah. Mon chevet, tu vois. Quel artichaut qui coupe des arbres pour faire le charbon est parti. Ah merde. Ah oui, bien, bravo. Attention, premier Pokémon, c'est parti. Oh, Mister, c'est parfait. C'est parfait. J'adore Mister. Enfin, j'aime beaucoup Rafflesia. Alors, t'es prié de pas buter Mystère. Sinon, je te marave. Merci. Alors, Pokéball. Ah, c'est pour le truc à la canne. Ok, super beau. Pokéball, ça va aller, c'est Mystère. Je sais plus ce que c'est, bois, machin... Bois, déchets... Ouais. Oui, Mister. Mister, bah, Pokémon de racine. Alors... Bob... Mar... L'herbe.
Il est rentré chez lui ou il a foutu le camp plus loin? Ça me sert à rien, monsieur. Mes Pokémon, s'ils meurent, ils meurent. Sinon, c'est du triche. La sortie. Pic-pic. Ah bah voilà, au moins Birdie fait quelque chose. Il est obligé d'avoir un ennemi niveau 6, mais il fait quelque chose. Bah tu vas où mon loulou? Ah. Ah oui, c'est cette histoire de merde. Il va tourner en rond jusqu'à ce que je le coince. Ou que je me coince. Voilà, ouais, je crois que c'est bon. Retourne vers ton dresseur, monsieur le canard-tichot. C'est pour ça, mec. T'as le bon badge. Le mec il me donne quand même une CS, hein. C'est quand même pas mal. Ouais, alors... Coupe, j'ai pensé avec qui, moi. Mister. Qui est-ce que j'apprends plus? Ben bien Birdie, c'est bien. Enfin, sur le seuil de la porte, tu te fais attaquer par un Pokémon. Est-ce que je vais me frotter aux champions? J'ai un Pokémon haut qui est venu pour le niveau, je pense que je devrais pouvoir. Ouais, il y en a de plus en plus des CS. Donc du coup, je vais faire un truc aussi, je vais vider mon inventaire. Donc du coup, t'es obligé d'avoir des Pokémon qui sont des ports CS en fait. BAM, anti-confusion automatique, si ça peut être bien, bien, très bien, oui. Défense plus, cœur de sortie, cœur fémérin. Ah, renforce les capacités plantes, mais celui-là, stocké quand même. Pique venin, renforce les capacités poison. D'accord. Rappel, je vais le stocker parce que ça ne sert à rien, je le vendrai une fois. Ça c'est bon, c'est bon. Comme ça je m'en fous. Voilà.
J'ai fait zoomer le Pokémon. Hein. Bon, est-ce que je vais essayer le... Allez, je fais une safety hit. C'est pas très... Je devrais pas faire des safety hit. Faire des sauvegardes normales. Je suis pas rassuré quand même. Est-ce que je vais essayer de monter mon... Bon, on va de toute façon faire les premiers loustiques. Nous, mon gars. Merci, Mick. Hihihi. Ouais, forcément. Oh, Poxy, c'est trop bien. Je vais me voler dans les plumes, le Poxy. Oh, ces attaques de confusion, mon dieu. Oui, puis si je me souviens bien, tu peux même pas le... Ah, bien. Tu peux même pas le enlever les CS, tu peux pas apprendre un truc par-dessus. C'est tout. Oui, d'accord. Mimigan dans sécrétion. Non, plus. Pauvre Mimigan. Ouais, Bobby. Mais je sais pas si tu peux effacer une CS avec le machin là, avec l'effaceur de capacité. Moi j'avais souvenir que tu pouvais pas. Ah merde. Mais peut-être que dans... Peut-être que dans Or et Argent ils ont mis que tu pouvais. Allez vas-y, Arnaud Scout. Arrache. Arrache. C'est lui qui est plante insecte. Ouais, je pense. Ah non, pas poudre toxique, merci. Oui, Birdie, niveau 13. Je sais pas à quel niveau il monte, mais bref. Et bim. Il y en a encore un petit loulou là. Ah bah, il a des jumelles lui aussi. Trop cool d'être résistant. Pokémon insecte. Pardon, quoi. Jean-Loïc Scout envoie Chenipan. Ça, c'est un Chenipan qui est très mauvais parce qu'il devrait déjà être Papillusion. Ça va être compliqué mec avec ton chenipan. Il va m'envoyer un Aspico qui est un empoisonné, ça va me casser les pieds. Voilà. Bon. Tant pis, j'irai au centre de gagner. Pic pic. Ah non, pas empoisonné. Je suis trop fort, mec.
petit peu pas test. Il en est où mon petit 32 PV sur 40, voilà. Ils évoluent rapidement, ils deviennent fort plus vite. C'est vrai qu'il y a des Pokémon insectes qui sont très très forts. Mais pas dans cette version. Ah, il va me faire les trois, Aspico, Confort, Dardania. J'aime pas Dardania. Ah, oh putain. Oh, on se calme sur les coups critiques, mec. Coxyclac ? Coxyclac est pas mal. Mais il fait pas partie des Pokémon insectes les plus forts. Ça me touche en 2 à 5 fois. Hein. Bon, on va changer parce que. Je suis même un mec qui me fait un peu peur sans avoir rien. T'as réussi à planter ça, mec? Tiens, prends-toi un bon coup de griffe dans la gueule, ça doit te calmer. Bon, là, je peux ressortir parce que confort, voilà. Non, Coxyclac est pas un mauvais Pokémon insecte, mais... Ningal, moi j'aime bien Ningal. C'est pas le meilleur, de loin pas, mais... Et non, mec! Quoique ton dernier m'a fait peur, mais à part ça... Bon, je pense que je peux aller me faire le champion d'arène. Juste que j'évite de faire le pont. Il y a quelqu'un, bon. Il me semble que Ningal, il apprend des attaques spéciales. Mais ce qui est intéressant avec Ningal, c'est... Avec Ningal, voilà. Ningal, c'est son... C'est ses attaques qui... Enfin, c'est ses boosts. C'est pas ses attaques physiques. Bon, bah on va serrer les fesses, on va plier. Salut Hector. Bah écoute, montre-moi tes Pokémon insectes et je te dirai qui tu es. Crisacier. Bon, jusque-là, ça va, rien de... Ah, le coup critique qui fait mal. Non, je ne peux pas changer encore maintenant, je changerai après. Bon, bah, s'il fait de l'armure, ça va être long, hein. Surtout mon pauvre Hoot Hoot.
Ah oui, le Darmanin, c'est chiant ça. Qui est-ce qui va me sortir en troisième Pokémon? Dardarnion, j'imagine. Oh putain, mais c'est pas fait. Bah, je vais changer, oui. Bah, on va y aller prendre Croc-Mou. Un insécateur. Ça picote. Ouais, le pistolet est au meilleur. J'aime beaucoup un sécateur. Mais là, dans cette version, il y a Scarino. Ça, c'est pas mal aussi. C'est bon. Je suis un expert en Pokémon, bien sûr, mon grand. Prends ce badge et mon argent, tiens. Très bien. Là, c'était 39. Taillade, dans le doute. Ah oui, c'est juste. C'est juste. Ah merde. Putain, combien de PV? Petit birdie. 24. 23. 22. 21. Je calcule juste, oui. Ça va. 20. 19. 18. 17. 16. 15. Ouais, mes Pokémon sont super forts, c'est trop bien. Du coup, la question existentielle étant à qui est-ce que je fous. Déjà, qui peut la prendre dans mes Pokémon? Alors, Croc-Mou et Bob Maria. Oh. Non, on va aller chercher notre porte CS actuellement. Je vais aller chercher Mimigal, je crois qu'elle peut apprendre coupe. Et on va virer Rocky. Prendre Arachné. Et on va supputer qu'elle peut prendre coup. Elle peut pas. Merdouille. Ça, ça m'embête. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai pas envie de mettre coupe sur... Arachné, tu dégages. Bon, est-ce que je peux mettre coupe sur Kenok? C'est un ratata, on devrait pouvoir avoir coupe. Ces petites dents.
Bah non, mais j'aimerais bien un funard, ouais, effectivement, mais il faut que je joue le jour. Ah, il est pas apte. Oh, c'est de la merde. Ah, je vais devoir le mettre sur sur Mystère. Ah, j'ai pas envie. Bah, on va tout essayer, hein. Bon, Dracula, on va le lire aussi. Je suis pas convaincu que TIE Fighter puisse apprendre coupe. Mais on va voir. Je vois pas avec quoi il peut couper, mais. Ah, mais c'est pas vrai! Bah, du coup, il me reste Togepi. Sinon je peux aller pêcher, mais bon, en même temps je croyais pas tellement que ça. Togepi, ouais, il peut apprendre des attaques, mais je pense pas qu'il va pouvoir apprendre coupe. Et du coup je vais récupérer Dracula. Bon, bah du coup, même Mimosa peut pas. Ah, j'ai pas envie, ça m'ampute d'une attaque, ça me fait chier. Bon, tant pis. Ah oui, il faut que j'appelle quand il est éclos, c'est vrai. Bah du coup, je vais garder Togepi, voir s'il me demande de rien. Allô ? Professeur Orme ? Quoi, il est clos ? Oh, mais vache. Bon, revenons en arrière. Puisque le jeu nous demande de revenir en arrière, revenons en arrière. Ah, mais non, je suis un Nuzlocke. En Nuzlocke, je vais pas cloner un Pokémon. Là je vais prendre devant. Non, ça se fait pas de cloner un Pokémon. Par contre là j'ai pas eu mon Pokémon. Ah voilà. Ou pas. Ouais, il est birdie, je vais quand même qu'il monte de niveau. Comment elle s'appelle, la grotte Ramolos, hein? Grotte Ramolos. Je pense que je vais pêcher. Je ne sais pas si Ramolos peut apprendre coupe, mais je sais pas s'il se trouve là-dedans. Ah non, mais je peux pêcher ailleurs, pour essayer de choper un Magikarp ou n'importe quoi. Ouais, niveau 15. Non, je vais aller ailleurs. Là non plus, j'ai toujours pas chopé mon Pokémon. Mais j'ai déjà pris. Donnez-moi un truc que j'ai besoin, s'il vous plaît. Ah, mais donnez-moi autre chose qu'un Rattata, bordel. Birdie, go! Ah non, mais...
Je ne sais pas si Romulus va prendre coup. Très honnêtement, je sais pas. Ouais, Bobby! Doux parfum, très bon, très bon. Très bien, pas très bon, très bien. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, il y a une attaque. Tibiditi. J'ai pris. Non, mais Rakaïu, ta vie, je m'en fous. Ah, quoique. Oh, ça rase. Ouais, bah on va garder ça, c'est bien. C'est bien. Alors, les Rakaïu, venez, hein, je vous attends. Non, pas des ratata. Qu'est-ce que ça fait déjà du parfum? Je sais plus. Ça rate. Hop. Ah oui, c'est ça. J'ai peur. Bah, il est bien, mon petit. Ah non, il y a mon petit mystère. Bah. Ah, Rakaïu. Ah, mais même sans ça ne. Ok. Je vais encore me faire un ou deux combats, je pense. Hein? Elle a encore un petit racaillou là. Merci. Non, racaillou, c'est pas ça. C'est pas racaillou, ça, monsieur. Vampirisme, c'est une attaque insecte. Ou plante. Bah écoute, niveau 9... Très bien, ce prometteur. Schmutt. Ouais, retourne t'entraîner. Ah oui, c'est vrai, il est poison, Mysterb. C'est le truc que je retiens jamais, c'est que Mysterb est poison. Stinguette du vendredi. Il y a plein de trucs dans l'herbe. Mon canapé. J'ai eu un truc là. Je suis quoi, route. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai eu un route 32. Oui, j'ai déjà eu. Ha 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 ha.
Cet arbre peut être coupé. Oui, mystère, coupe. Quel talent ce Pokémon, quel talent. Eh, dis donc, toi. Mais j'aime pas quand tu cries, on dirait un ronflex. Ouais, normalement, c'est une... C'est pas très utile, très honnêtement. On récupère des baies. Est-ce que j'essaie de choper un Pokémon aquatique ici? J'ai pas encore chopé de truc. Ah, si je chope un Pokémon aquatique, ça va me filer un Magikarp. Surtout que j'ai qu'une canne dégueulasse. Mais l'avantage, c'est que je suis sûr d'avoir un Magikarp. Allez, on y va. Rien du tout. Merci, ça fait plaisir. Monsieur, il faut me donner des Pokémon. Ah, voilà. Et attention devant vos yeux, Zébobi. C'est être un poids sirène. Un Magikarp! Oh! Combien? Niveau 5? Oh, niveau 10! Oh là là! Ah non, Trempette! Alors, tu le tues pas, monsieur. Oh non. Du coup, mon ville, je vais pouvoir mettre que j'ai un Pokémon. On va capturer un Magikarp. C'est pas ça que je veux. C'est ça. Ouais. Un Magikarp. Ça va me prendre un millier d'années pour le mettre, le monter. C'est quand même tout à fait pathétique. Il peut juste sauter haut en de rares occasions. D'accord. Alors on va partir du principe qu'il va devenir un Léviator. Et on va l'appeler... On va l'appeler Croc. Croc. Il va se one-shot par la première attaque éclair qui passe. Et ouais, ma gueule, et ouais. Si je pouvais juste avoir des baies, ça serait cool. Mais c'est vraiment tout ça pour aller montrer un what the fuck Pokémon. Merci. Je n'ai aucun mérite. Dans les cul-de-sac comme ça, je pense que tout le monde est capable de deviner ce qu'il peut y avoir. Est-ce que dans... Or et argent, tu peux te rebattre contre le dresseur que tu avais déjà combattu. Ah, une baie. Très bien. Ou est-ce que c'est pas encore le cas? C'est juste, il y avait cette histoire de téléphone.
Oh là là, c'est fou la technologie. Bon, très honnêtement, je sais pas pourquoi je me bats pas, parce que en soi. C'est pas tout ce bruit là. Quoi, ce Pokémon? Mon dieu. Il naît à partir de. Ouh, on est au début, hein. Tu me donnais Rissandre. Damn it. Mais je veux tous les faire évoluer. Monsieur, j'en ai besoin. Donne-moi Hérissande, s'il vous plaît. Ah, je vais aller voir ma mère. En même temps, elle fait de la merde avec mon argent. Bienvenue. T'as rangé ma chambre, quoi? Que veux-tu faire? Ah, j'ai quand même pas mal. Bon petit investissement. Du coup, je vais refaire le trajet dans le sens inverse. Très bien, ça fait plaisir. Exactement, les mecs, ils avaient jamais vu un Pokémon avant. Nous sommes des professeurs Pokémon, mais par contre, on sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que tu peux nous aider, toi qui as 10 ans? T'es plus en phase avec le monde de Pokémon. Ah oui, mais là c'est le mont machin. Mais j'ai jamais été au mont machin. Route 46, chemin de montagne. Je la sens que très moyen. Oui, en même temps, j'arrive à la fin. Apparaît, Pokémon! C'est sans doute les seules herbes où il n'y a personne. Ah. Un racaillou! YOLO! J'aspire ton âme! Ouais, va vite dans un centre Pokémon avant qu'il ne meure! Non mais sérieux, il est censé y avoir des arbres à couper pour éviter de se faire maraver par, par le premier touriste qui se pointe. Vas-y, Bob Marlherbe, complie la vie! Ah bah du coup, je peux virer Togepi pour mettre... Je vais virer Mimosa et je vais mettre un... Je vais mettre le Magikarp. Je vais mettre Kronk. Mais si je passe... Mais je suis déjà passé par là. Non, mais je m'en fous. Ça, c'est la grotte machin où il me faut éclatroc ou force, je sais plus quel des deux.
Donc déplacer. Oui. Oui. Mimosa, tu dégages. Croc. Je pense que l'amener au niveau 20 va être très long. Très très long. J'ai pas été là. Il y a des objets à récupérer ou pas? Non, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Toi, donne-moi quelque chose. Moi, je m'en fous. Non. Non. Ça, c'est du professeur, ça. Je pense que j'aurais eu des profs comme ça à l'école. Je serais devenu ingénieur. Ah oui, c'est juste. Mais du coup, j'ai rien eu là encore. Est-ce que je peux couper le truc? Simulard, arrête de faire ton caca. Oh. Swallow. Là oui, machin. Les mecs se sont extasiés devant. Il y a un autre passage. Parce que bon, je vais me taper un milliard de arbres. Se sont quand même bien emmerdés hein, avec des répliques d'anciens Pokémon machin. Ah oh non! Un TIE Fighter! Ah non, ça c'est pas un TIE Fighter ça. Est-ce qu'il a charge? Même pas. Puissance cachée! Birdie, lance pic-pic sur ce pauvre Zarbi qui nous a rien fait. C'est pas très rentable. Bref. Non, je suis pas un scientifique en herbe, monsieur. C'est juste que je me suis perdu. Pita pita. Ah, oh, oh, what? Ah, oh, merde, putain. C'est dommage que j'ai pas eu le Watt-Watt avant. Ça m'aurait été utile. Thank you.
Ratata. Mais ça va prendre 1 million d'années. Ça me sert à rien d'être comme une. Oh, un axoloto. Zut, c'est des Pokémon qui sont bien. Évolue au maximum. On s'entend. Faramp et Marest, c'est des bons Pokémon. Enfin. Tant pis. Et vont en Lyon à la vitesse d'un escargot mort. Ah, je peux faire du parfum, ça sera quoi? Ah oui, c'est pour attirer des Pokémon. Peut-être pratique suivant comment. J'aime pas les traçons. Je suis déjà confus. Je suis plus confus. Il va quand même falloir que j'aille des Pokémon un peu évolués. Ça devient un peu... Un peu le néant. Ah bah non, allez Bob, qu'est-ce que tu fais? Oh, il y avait des sablettes. Presque. J'ai toujours rien à route 33. Non. Ah, sérieusement. Mais du coup, peut-être que route 33, j'arrive aussi à avoir un Watt si je m'applique. Et quel niveau, machin? 6. Il joue vraiment? Ok. Bah, finalement, coupe, c'est pas mal. Hein. À très bas niveau. Mister va vraiment pas vite, hein. 12 de vitesse. Ouais.
Ah mais j'ai doux parfum. Suis-je bête? Suis-je sot? Et là, paf, un what-what. Oh, merde. Ah. Ben voilà, ils verront les VOD, ils diront « Waouh, c'était trop bien, ils chassent des ratatas !» Et puis ils diront « Non, mais la prochaine fois, on viendra. » En même temps, mieux vaut ça que trop de monde. Non, on ne peut plus discuter. Ben bon, il y a une marge entre avoir trop de monde et avoir plus de deux personnes sur le stream. Mais en même temps, comme dit, je suis pas payé pour streamer, je suis pas payé pour des subs, je suis bref. Donc en soi, ça ne me dérange pas. Bon, bah on retourne dans le bois machin. Le bois de l'angoisse. Alors, je devrais aller en haut, mais... Misterbe. En même temps, je suis pas sûr que ça motive vraiment les foules à un Noizlock Challenge sur Pokémon Gold. Il n'y avait pas un arbre à couper au fond du truc. Ma mémoire me fait défaut. Un paras. Ah mais non, mais ici, il faut que j'entraîne Birdie. Je suis bête. Hop, Birdie, viens. On va essayer de te faire évoluer quand même. Au bout d'un moment, tu y arriveras. Pire 4 points de dégâts sur un Pokémon niveau 6 et niveau 15. Ah ouais, Bob Marley. Ça va être long. Oui, mais bon, il y en a qui font ça. Ce qui est une raison comme une autre de suivre un streamer, et il y en a qui veulent regarder des jeux qui leur plaisent. Je veux dire, Twitch, c'est quand même un panel de jeux extrêmement varié. Donc merci de me suivre pour moi. Mais je peux comprendre aussi que ça soit pas le cas de tout le monde. Oula! Oula! Là le. Le son est parti un petit peu en volo.
Oui, c'est vrai que si tu... Bon, après, tu peux aussi... Tu peux aussi utiliser Twitch comme un... Comme la télé, en fait. Tu mets un truc, tu fais autre chose, mais t'as quelqu'un... T'as quelque chose qui tourne derrière, derrière ce que tu fais. Twitch m'a permis de découvrir pas mal de jeux, en fait. Donc du coup, je suis assez content. Après, c'est vrai que... Je suis beaucoup de streamers, mais je sub que chez ceux que j'apprécie vraiment. Pas parce qu'ils font des jeux, mais parce qu'ils font... Ils ont une personnalité que j'aime bien. Ouais, bah dis donc, oula, coup de barre. Il est beau au chêne et si dense que les feuilles cachent le ciel. Fais attention, je bleu, je chie sur la chambre. Ok. Oh là là, un total son. Hey, toi là! Oh là là, une super potion! Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai jamais eu Celebi à part dans la version la dernière qui est sortie, c'est quoi Saphir Alpha. Là j'ai Celebi, mais sinon je l'ai jamais eu. Mais je pense que s'il apparaît dans une. Dans un event. Enfin, s'il apparaissait dans un event Nintendo à l'époque, c'est là qu'il apparaîtrait. Tu m'emmerdes, monsieur le petit. Je ne sais pas ce que tu me veux, monsieur, j'ai peur. Merci pour ton aide précieuse, monsieur, au coup de boule. Je fais ça dans une zone où j'ai pas déjà attrapé le Pokémon. Ah là là, une huile. Quel est donc ce grand bâtiment ? Oui, c'est un Pokémon de petit... Enfin, tout petit. Papillusion ! Attention, nouvelle zone, c'est parti. Astuce, les arbres à baies donnent des baies tous les jours. Bah, je suis content pour toi, mon gars. C'est ici que je te pète les dents. Bon tran, gamin. Bon tran, gamin. Au revoir, ratata. Est-ce que je fais...
Bon, je vais battre Ratata avec lui déjà. Ratata, attaque charge, coup critique, salaud. Voilà, les attaques de priorité, je te jure. Sablette, oui, je vais changer, on va essayer de faire monter un peu le Sablette. Bah, je pense qu'on peut y aller avec Pokémon Plante. Sablette lance griffe. Ah non, Goulardien. M'en fous, j'ai ta porte spéciale. Enfin, je crois que Volvi c'est spécial. Et bim! Ah bah c'est pas mal. Piaf avec. Oui, je vais changer de Pokémon sur Piaf avec quand même. Allez, Kronk, va te battre. Pic-pic! Tu ne me fais pas peur. Même temps, 12 niveaux d'avance. Oui, je vais rechanger le Pokémon. Bah, il y en a déjà des méga évolutions des premières générations. T'as Léviator. T'as Mewtwo. T'as Dracaufeu. T'as. Est-ce que Tortank. T'as Tortank, je crois. Tortank le Florizarre, il me semble. Ah, après ce niveau inter. Après, je me souviens plus. Je suis dans une nouvelle route là. Je suis où? Ah non, mais merde, c'est l'astuce. Alors, attention, Pokémon apparaît. Ce qui va être bien, enfin ce que moi je trouve bien, c'est qu'il va y avoir les... Ah, niveau 11, ça change tout là. Les... Ah merde, il est blessé. Déjà. Les Pokémon de première génération qui vont changer un petit peu. Bon, je vais sortir Pokémon. Du style Sablette et Sablero en glace, plutôt qu'en sol. Fenard et Goupix en glace également. Non, Pokémon Sun and Moon, ça va être bien. J'ai hâte. Mais c'est que ça fait super mal à Ratata. Hein. Je dis pas comme ça, mais... Croque-mou faudrait... Ah, bah voilà. Oui, très volontiers. Frénésie. On va mettre machin devant, hop. Moi j'aimerais bien avoir un méga Dracolosse, mais un truc un peu cool. Vraiment bien. Pas une méga évolution dégueulasse. Jean à pique-nique, envoie Granivol. Ah mais je vais prendre...
soupçon qu'il y a un pouvoir meilleur à l'intérieur de la vie. Parce que Tortank, Predator, aurait contre le Florizard et Mewtwo est objectif. Ben écoute, je te dirais Dracaufeu, enfin Tortank, Tortank, Léviator, Florizarre, ils sont pas tellement joués en tournoi. Parce qu'ils sont pas. Tortank un peu plus que les deux autres, mais Léviator avec ses faiblesses électriques, non. Florizarre, je l'ai pas vu très souvent. Dracaufeu est hyper, hyper joué, Mewtwo aussi. Quand il a admis, c'est pas encore gagné. Je vais jouer qui? J'ai pas envie de jouer Croque-Mou, mais. Mais non, mais je suis con, pourquoi je joue Croque-Mou? Mimique. Morsure! Ah! Non mais Kronk il monte jamais de... Roucarnage a une méga évolution qui est loin d'être mauvaise. Mais qui n'est pas non plus hyper bonne. Mais il a une bonne méga évolution. Mimique. Qu'est-ce qu'il y a encore qui a des méga évolutions? Quoi? Ça apprend Trempette cette chose? Oh, un bulle bizarre. Kangourex est devenu absolument dégueulasse avec sa méga évolution. Ectoplasma a toujours été un Pokémon hyper malaise. Dardarnian est pas mauvais en méga évolution. Je l'ai vu quelques fois. Terra, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu si souvent que ça en fait. Mais je l'ai vu, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu si souvent. Plus que Dardarnian, mais. Ah, enfin. Wouhou. Et non, Cocotte, tu viendras jamais. C'est vrai. C'est vrai, je les avais oubliés, ça. À la Kazam, je l'ai vu aussi. Méga Flagados, ça existe hein? Ah, Féroce Singe. Ouais, je crois que c'est tout. Peut-être que je me trompe, j'en oublie sans doute. Mais... bon, du coup, je vais jouer quoi, moi? Vol Combat. De toute façon, il n'y a pas un milliard d'attaques pour moi, le pauvre. Méga Flagados, c'est quand il s'est bouffé par son coquillage. Ça me dit rien. Ça, c'est que c'est un Pokémon qui a pas dû me marquer.
Ah non, j'aurais dû utiliser Bob Marley, herbe. Eh ouais mec, il existe de meilleurs danseurs que toi. Ça va pas être difficile, j'irai. Alors on va faire un peu de soins. Moi je vais lui redonner une potion, je pense. Attends, non, toi je vais donner une potion, on sait jamais. Eh monsieur, viens. Mon Pokémon vient de rentrer de la pension, voyons s'il est plus fort. T'as un seul Pokémon, je sais pas, le mec il va avoir deux Pokémon. Ah non. Brandon Pokéfan, on voit Snubble. Snubble. J'aime beaucoup Snubble, je le trouve très drôle. J'aime pas Granbull par contre, mais j'aime beaucoup Snubble. Ah, il a une baie. Pourquoi? Pourquoi? Bah écoute, parce que je suis meilleur que toi. Bon, apparaît Pokémon que je n'ai pas déjà. Oh putain, très bien, très bon, bravo, félicitations, ils sont prolifiques. Ouais, je vais peut-être pas utiliser un... Eh non mec, ça m'affecte pas, je m'en fous. Alors, évite de le tuer. Je m'en fous, c'est ton âme que je veux. Pokéball, go! Je sais pas sur quelle route je suis en fait. Donc je vais attendre avant de noter. Et hop, ça purifie qu'attrapé. Bon bah je l'ai mon Pokémon Psy. Même si en soi il est pas. Voilà. Pokémon qui bouffe les enfants, ouais, c'est un peu ça. Si vous pensez avoir rêvé mais que vous ne vous souvenez pas, c'est que Soporifique a tout mangé. C'est un mal, merde. Je vais l'appeler Monsieur Irma. On aura évolué, il ressemblera à Monsieur Irma. Monsieur Irma est envoyé chez Léo. Bon, bah du coup, c'est très bien. Pension. On élève votre Pokémon pour vous. Fantastique. Connais-tu les œufs? Non, jamais vu. Et paf, on a trouvé un œuf. C'est dingue. Non. Je suis la femme du type. Connais-tu les œufs? Non, je m'en fous. Et paf, on a eu un œuf. Non. PC de Léo. Bon, on va virer Dracula. Parce qu'il est niveau 6, c'est que ça va mettre 1000 ans à monter. Et on va prendre Monsieur Irma.
Dracula, dégage. Monsieur Irma, bienvenue dans l'équipe. Qu'est-ce que t'as comme capacité, monsieur Irma? Dis-moi que t'as choc psy. Écrase face, hypnose, entrave. Mais bordel. Ah oui, c'est juste, on peut aller voir. Bonjour, monsieur Lajeng. Qui va là? Pour quelle raison? Eh, mais c'est un agent de la loi qui va me tabasser. Un monsieur Lajeng de la loi, c'est pas bien. Caninos! Ah, putain, un Caninos 17 quand même. Ah non, ça c'est cheaté, ça, monsieur. Bah, je vais remettre croque-mou. Casper, il va mourir. Oh merde! Bon, bah, j'ai perdu Casper. Casper est décédé sous les crocs affamés. Shit. Voilà, la première morsure du... La première morsure. La première... le premier décès. Et c'est Casper, le fantôme, qui meurt en premier. Quelle ironie. Ah, tu me casses les... Ouais, adieu, gentil fantôme. On t'aimait bien. Je voulais faire de toi un spectrum respectable, Ben. Le vilain Caninos n'en a pas... Le vilain Caninos n'a pas voulu. Ah, niveau 16. Oui, on va quand même te faire échanger un seigneur. Oui. Le gisement. Il est pas assez fort pour encaisser si je fais ça. Monsieur, l'agent de police, vous avez tué Casper. Chaque merde. Et en plus, je suis obligé d'attendre... Merde. Je suis obligé d'attendre d'être à la ville pour le guérir. Ça y aïe. Il est quel niveau le... J'ai pas fait gaffe. Niveau 14. Bon, on va pas prendre de risque, hein, j'ai déjà perdu Casper. Ah non, griffe est sous entrave. Bah tant pis, un coup de dent, c'est bon. Oui, tu t'es mal débrouillé. Route 34. Et voilà. Bienvenue à Doublonville. Alors... Merci, merci.
Alors, je vais faire une boîte cercueil. Ça, on verra le nombre de Pokémon que j'aurais tué durant ce Nuzlocke. Adieu, Casper. On va mettre la boîte 14, c'est la boîte cercueil. Est-ce que je peux changer le nom de la boîte? Non? Je peux pas. Changer boîte. Non, je sais pas. Je vais peut-être retirer un Pokémon. Quand même. Retirer un Pokémon. Qu'est-ce que je prends? Bah, on va reprendre Dracula. Reviens, Dracula. Madame la Vieille Joël, Casper, il est mort. Surtout que je crois pas que je peux récupérer des Spectrums sur la route. Alors, le Mega Shop. Maman est trop forte pour utiliser du business. Ah non, mais le casino. Oh là là. Quoique, si je peux faire un Porygon. Votre espace de jeu, casino de doublon vide. Salut monsieur, file-moi une... Oui, mais vous n'avez pas de boîte à jetons. Oh mais mon dieu. Toi là. Ah ok, non ça marche pas. Madame. Mais tu n'as toujours pas de boîte à jetons. Mais voyons. Je sais pas, un mini Draco comme le. Moi j'ai le souvenir d'avoir un mini Draco, mais aussi un. Pas mini Draco, un Porygon. Yaman! Ouais, ok. Toi t'as l'air riche, donne-moi ta boîte à jetons. Salut. Ah, le numéro de téléphone de Léo. Ok. Justement, j'ai deux mots à te dire, mon Léo. Non, maman, je m'en fous. Léo, hop. Ah, d'accord, merci. Ça me fait une belle jambe. Madame, vous pouvez pas me donner quelque chose? Oh, toi aussi, tu peux écrire le bras, mais c'est le temps. C'est le souterrain, là. Entrez, du souterrain. Madame. Les boutiques en bas. Ah, les boutiques et les dresseurs. Très bien. T'es fort, monsieur? Ça sent le Pokémon psy, quand même. Ah non, t'as de mort. Gaz toxique, est-ce que j'ai des antipoisons, je crois?
ça va être long. Bon, je vais pas... Voilà. J'aime pas trop qu'on fasse du mal à mes copains. Tiens, prends ces trois gouttes d'eau dans la tronche. Ah, ça te nettoie, bah, t'aimes pas ça. Ouais. Non. On va garder croque-mou. Mordre dans un tas de morts, c'est sans doute pas le meilleur truc à faire. Quoi. Bon, moi, c'est le foutu à trouver. Alors, est-ce que j'ai assez de... Ah, j'ai bien assez d'antibiotiques, très bien. Croque-moumou. Et Birdie. Ouais, mais... Oui, mais non, c'est pas bien. Hop, furtif. Oh. Ouais, la boîte, je tombe. Toubidoubou. Regarde comme ils sont beaux. Pokémoniac, envoie excellent. Un excellent niveau 12. Faudrait que j'arrête d'utiliser Croque-Mou sans arrêt. Ah! Je vois qu'il y en a un qui est passé par Écorcia. Ça donne envie, madame. Non, mais... Mais vous ne faites rien du tout à mes Pokémon, voyons. Ça va, je gère, mec. Enfin, à peu près. Ah non, il va encore envoyer des poisons. Putain... Ah non. Si je boostais Irma, ah mais Irma il a que écrase face. Il y a le type acier hein, dans celui-là, donc non, je vais envoyer. Je vais envoyer Bobinou. Donne-moi ta vie. En fait, c'est pas un... c'est pas Kaiminus que j'aurais dû prendre, c'est Rissand. Ça va être long, ça va être long. Thank you.
Ah, Voltorb. Quel niveau? 11. Bah, pas forcément en fait, mais dans celui-là, je trouve que le début c'est très clairement un jeu à Pokémon Feu. Allez, one shot. Oh putain. Je sais pas où je peux me dégoter un Pokémon Feu. Il y a un Volcan, je crois, dans celui-là. Oui, mais ça s'est fait, voilà. Oh oh oh, c'est l'intello Père Noël. Oui, effectivement. T'es quoi toi? Tu as des Pokémon noirs avec toi? Je me trompe. Non, j'ai... Ah non, c'est un Pokémoniaque. Daniel. Vamos. Ça va. Allez Bobby! Non, je garde ma merde. Disons aussi qu'avec les Pokémon plantes et eau, t'as souvent des petits Pokémon plantes et des petits Pokémon eau. Misterbe, Magikarp, etc. Poissirène. J'ai pas souvenir qu'il y ait des petits Pokémon feu. J'ai perdu. Ouf, j'en suis sorti. Le noteur de nom. Ouais, des Pokémon qui sont relativement bas niveau. Ah, vous n'avez pas de jetons. Que tu rencontres au début en fait. Il y en a pas hein, qui me file des jetons, il y a pas. Thank you.
Madame, vous voulez bien... Bon, la cité, je m'en fous. Et pas me donner les jetons. Abra, Abou, Mini Draco. What? Ah ouais, non mais c'est... C'est de la merde. Bon, y a une technique relativement facile en émulation pour avoir plein de... Comment on fait pour sauver une carte? Ah oui, ok. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un mystère. Pas trois fois. Rien. Ça, je devrais presque essayer de faire ça, mais je le ferai hors stream du coup. Parce que ça va être infiniment long. Tu reset la partie à chaque fois que tu gagnes pas, quoi. C'est la technique à la con. Mais ça marche. Bonjour madame. Je fais ce que je peux madame. Ouais, je pense que tu dois... Je ne fais que faire des combats avec les Pokémon, ils sont tout le temps que... Oui, c'est pour ça qu'ils t'aiment pas, parce qu'en fait, quand ils sont là, ils sont morts. Lorsque j'utilise des objets sur mes Pokémon, ça fait des trucs cool. Madame, vous êtes bizarre. Cycle à gogo. Donne-moi un vélo, je fais de la pub. Oui. Tu peux en faire partout, sauf ici. 5. Ouais, mais 14-21, c'est pas des petits niveaux, hein. Qu'est-ce que c'est? La Team Rocket! Tour radio. Station de Boubonville. Le train n'est pas passé, je sais, je vais transporter les passagers sur un monde. Ah, ne marchera pas, plus cher. Monsieur? Bienvenue, bienvenue. Vas-y. Je crois que j'ai jamais rien gagné à ce machin. À part dans la dernière version où j'ai tellement de Pokémon d'autres dresseurs que je gagne tout le temps. Ouais! La carte est-elle affichée dans le Pokématos? Oui. Fargas, ce fabricant de Pokéball, utilise-t-il des Noabricots? Non. Est-ce vrai que Magikarp ne peut apprendre de CT? Est-ce qu'il peut apprendre de CT, Magikarp? Non, je pense pas.
Voilà. Ne pas apprendre de CD, très bien. Waouh. L'émission du prochain Chronique Pokémon est très célèbre. Lola en est-elle la co-présentatrice? Eh merde, on va le détruire. Ah, fuck. C'était pas Lola. Ah, c'est lui, là. Allez, recommençons. Je vais pouvoir écouter la radio. Ouais, vas-y. Ah oui, c'est la même chose, oui. Le cuisse de merde. Mais vous n'êtes pas déjà passé il y a 2 minutes? Non, c'est pas moi, c'est mon jumeau. Ouais, j'ai... Un coupon radio. Ouais. Ouah, trop bien. Antenne de la chance, gagné grâce à mon s'en fout. Précautions réservées au personnel autorisé. Cette mesure vient d'être appliquée. Le directeur ne va pas bien. Ok. Ouais, de la bicyclette. Hop là. La la la, l'eau ça mouille. Merci. Mais nos problèmes, file-moi un arrosoir. Ils sont très rapaces, hein, ils donnent pas grand-chose. Blanche, elle est quoi du coup? Pokémon herbe, c'est ça? Ah, normal. Ah bon. Bonjour madame. Faites ton mieux, j'ai fait soigner mes Pokémon en fait. Salut, Carlacadé. Miaus. Miaus, oui, la gagne. Non, j'ai pas fait soigner mes Pokémon, je suis en couillon. Tiens, prends un pistolet dans la tronche. Une pluie de pièces. Non mais je vais garder machin donc c'est au moins. Allez, un petit coup dedans. Ah, tranche carrément, merde. Ça change pas grand chose. Une petite potion. Allez, super potion. Hop. Bon, mais il va falloir que j'aille farmer un petit peu. Je préfère prévenir tout de suite. Si jamais à un moment dans le jeu, je dois farmer pour X raisons, je le ferai hors stream. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que de farmer en fait.
Ah mais ça c'est Monsieur Nickname. Bonjour, je suis le spécialiste des noms. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai? Monsieur Irma. Non. Est-ce que je peux passer? Un arbre bizarre bloque le chemin. Alors, attends. Non mais je préfère le dire plutôt qu'une fois en 2 VOD, il y a... Ah mais il a monté de 10 niveaux, le salaud. Je préfère que ça soit explicitement dit. Mais la route 31, c'est pas une route tout au début ça? Alors, encore. PC de Léo. Qui je stocke? On va stocker Dracula comme d'hab. Ce pauvre Pokémon qui se fait balader sans arrêt. Vas-y, monsieur, donne-moi ton truc. Oui, je vais te rendre un service. Oui, ton pote, Route 31. Oui, voilà, merci. Vas-y, go. Oh. Je reçois un Pokémon avec lui. Alfred. Qui es-tu, Alfred? Pic-pic, rugissement, gros yeux. T'es un Pokémon pro. Ah, pièce avec. On va lire la lettre. Parce qu'on a un salaud. Entre noir, mène au pas. Bobby. Et ouais. Et ça ne rigole pas. Route 35, c'est nouveau. Ah, je peux me battre avec Alfred. Merde. Je vais te faire tuer, Alfred. Mimique. Ouais, niveau 13. Non, effectivement, tu n'as aucune chance. Voilà, attention. On va se battre pour savoir qui est la plus grosse. C'est parti. André qu'on peut. C'est un peu risqué ce que je viens de faire là quand même. Je suis un petit peu osé. Ah merde. J'ai de sable. Et voilà, j'ai du sable dans les yeux, je ne sais plus ce que je fais. Mystère, il faut quand même réussir à... Merci. Je vais plus rien voir du tout, ça va être la mode. Fais une critique qu'on en finisse avec lui. Je sais pas d'ici, s'il vous plaît.
Oui, je vois plus rien. Heureusement qu'il est pas très dégourdi quand même. Non, je vais pas perdre pour te faire plaisir, tu te démerdes. Hé, hey, t'es la copine du gars là ? Ah merde ! Oh merde. Tire-toi, je veux draguer la copine du mec que j'ai bien explosé. Barre-toi, gamin. Allons, griffe. Je vais plus lentement qu'un topiqueur. C'est vrai que topiqueur est relativement rapide en fait par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Ah, voilà, on commence à parler. Ne sera petit, oui, je vais changer Birdie. Ah, j'aurais pu utiliser Monsieur Irma. Ah non, c'est un Pokémon psy. Du coup, sur le vampirisme, ça va pas le faire. Gras, 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 ça c'est très intimidant comme son. Parfait, écoute. Voilà, casse-toi. Oh, tu vas m'essayer d'aller draguer la minette là, hein? Ah non, elle va encore m'acheter un truc. Non, je veux pas. Ah. Maman, tu fais ch... Ouais, ton copain est trop nul, il est super honte, viens avec moi. Tu verras, on est bien. Brook Picnic. Non, peut-être pas, non.
ça va. Alors, on va faire Hydro Toxique. Ah non, putain. Bon, au moins ça s'est passé. Bah, tu sais, dans la vie réelle aussi, hein, si tu dégommes le copain d'Amis. Ah, c'est pas terrible. Hein. Bon, on va couper. Alors, il a deux fois reflet quand même. Grau, 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 grau. Mais ça, c'est un apprentissage. Je veux dire. Fais les choses subtilement. C'est des choses qui s'apprennent. Oh, t'es fort, tu vois. Parce qu'on mange jamais. Alors, est-ce qu'il y a encore un... Attention, un éléphant! Bien. Merde! Je suis con. Moi, je crache du feu. Ça doit piquer. Et si c'est un cracheur de flammes, il va utiliser un Pokémon qui n'est pas feu. Ah si, oh, magma. Oh! Sans doute le plus mauvais magma du monde. Magmar, dans ce purée de poids, bah merci, ça fait bien plaisir. Tiens, prends mon pistolet à eau dans la tronche. Oh, tu es mort. Il a deux magmars, ce con. Et puis, pas grand chose en fait pour par croque-mou. C'est la mèche. Pure de poids. Et voilà. Tiens, prends-toi une griffe dans la tronche, ça enfoiré. Petit à petit, on va y arriver. Bimbo cracheux. Allez, un petit antidote. Coup de goudou. C'est une nouvelle zone. Hein. Ah mais merde, c'est qui veut se battre ce con. Ah non, encore un Caninos à la con qui va me... Baptiste policier, on voit Caninos. Vas-y, fais chier. Ah. Quel niveau, 14. Non mais ça va être la merde. Écoute mon petit Caninos, moi j'aime pas trop qu'on fait hurlement.
Alors, tu dégages. Non, cette fois, on va le pourrir direct. Pas se poser de questions. Dans le bout de 35, j'ai rien encore. Bon. Voilà. Attention, attention. Un Pokémon feu, s'il vous plaît. Un Nidoran femelle. Quelle merde. Birdie. Ouais, Birdie, c'est bien. Alors, on va faire un peu de pique-pique et puis ensuite je vais l'endormir. Enfin, je vais essayer. Ne le tue pas. Mais au final, ça devrait aller. Mais écoute, Nidoran. Autant. Je suis pas très fan de Nidoking. Autant Nidoqueen me dérange moins. Donc, du coup, pourquoi pas. Donc du coup, pourquoi pas. Après, évidemment, si je tombe sur un Goupix droit après, je vais être un peu deg, mais bon. C'est juste une question de design de Pokémon. Rien en particulier. Nidoking est globalement meilleur que Nidoqueen, normalement, d'ailleurs. Mais j'ai en version jaune... Le premier Pokémon que j'ai eu niveau 100 était un Nidoqueen. Et du coup, j'ai un peu de l'affection pour ce Pokémon de base. Puis il peut apprendre des attaques qui sont pas dégueu. Oui, on va l'appeler... Et elle est... Za... Beth. Et merde. Moi, mon truc, c'est de botter la gueule à des petits miclés comme toi. Oui, Nidoking est meilleur. Ah, Minitos. Nidoking est meilleur que Nidoqueen. C'est un fait. Mais ouais, c'est au niveau de l'affect que j'ai choisi. Un Nidoking m'aurait pas plus dérangé que ça, hein, s'entend. Et voilà. Bah oui, je le prends comme ça, mec. Comment veux-tu que je le prenne d'autre? Ouais, je suis où, là, moi? Ah, je suis là. Ok. Mais du coup, je suis... Ah oui, route 35, faut que je note. Sinon, j'ai pas me souvenir. C'était pas ça que je voulais. Pour l'instant, je suis bon. Parc naturel, route 36. Ok. 37, ok. C'est long. Oh, un métamorphe! Oh mon dieu!
Sérieusement, on peut avoir des métamorphes? Ah mais non, mais je suis con! Je suis complètement con, j'aurais dû le laisser morpher... J'aurais dû laisser morpher... Le Magikarp. Merde. Oh non! Ah non, non, d'accord. C'est bon. Ouais, il fallait bien que ça passe une fois, hein. Ah mais réveille-toi madame, monsieur Irma, pardon. Non, je vais lui mettre une potion par contre. Combat titanesque pour tellement peu de pecs que je deviens malade. CT4, youpi. Bon, là il y a un petit kéké. On va soigner un petit peu, mais c'est pas ça que je veux. Ah, c'est compliqué les boutons. Potion, mais j'ai bien d'autres potions hein, tout ça. Bah en fait non, pas de potion. Quel Pokémon utilises-tu? Je ne les utilise pas, je somme les Pokémon et ensuite je les mets dans un sac. Dégueu. Greg, ornithologue, au revoir. Oh cool! N'empêche que... Sans éclair et sans feu, pour le moment, c'est un peu la galère. Eh ouais mec, faut pas me chercher. Allez, Nidoromal. Double pied. Oh non! Birdie! Merde! Ah, ça pue!
Bon, bah voilà. Ciao, Birdie. Enfin, tout ça pour ça, quoi. Puis je me fais péter, Birdie. Putain. Ouais, mais j'avais dit que j'avais pas encore perdu de Pokémon. Du coup, la vengeance. La vengeance. Ah, mais tout ça pour ça aussi, ça m'emmerde, ça. Futon. Ah merde! J'ai oublié que j'ai... Oh là 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 là! J'ai complètement oublié que j'étais pas passé devant lui. Ah là là! Bon, oh là! Zeppo jongleur. Ouais, c'est clair. Il doit y avoir un truc comme ça. Ouais! Un Voltorb niveau 2? C'est quoi le piège? C'est quoi le piège là? Ah, autant de niveau 6, très bien. Niveau 10, ça commence à devenir chaud bouillant. Le 14. Eh bien. Qu'est-ce que ça fait déjà grâce à moi? Ouais. Elle est cool. Ah non. Ouais, niveau 16. Passeport. Bon, bah je vais aller amener mon pauvre Birdie au cimetière. Par contre, du coup, je suis un peu emmerdé maintenant. Ah merde, c'était pas là-dedans, je sais pas.
Mais non, mais... Oh, t'es sérieux? Bah alors... Mais je vais pas pouvoir enlever la lettre. Je peux enlever la lettre. Tout ça pour changer de... Bah du coup, je vais faire mes petits... je vais mettre Birdie au cimetière et je vais arrêter là. Il va être 23h tout bientôt. Birdie, t'es où? Voilà, rejoins Casper dans le monde des Pokémon. Dans le monde merveilleux du paradis des Pokémon. Elisabeth, amène tes petites fesses. J'en ai 6. Ouais, rejoins Casper, ouais, rejoins Casper et la maman de Slay. C'est tout à fait vrai. Voilà, ben on va terminer ici ce soir. Merci, Tanda, une fois de plus, d'avoir été là. Me tenir compagnie durant cette épreuve qu'est le Nuzlocke Challenge. Prochain stream, je sais pas quand, peut-être demain soir, je ne sais pas exactement, donc du coup c'est un petit peu l'interrogation, mais je pense que demain soir je vais faire un truc, peut-être pas ça, peut-être du GoldenEye, tiens, on va essayer de finir GoldenEye demain soir. Enfin bref, passe une bonne nuit et puis un bon lundi et à demain. Ciao ciao.